Voilà, en plein mois de mai 2023, la ville est bruyante et très active comme d'habitude. Normal. Tous les Camerounais veulent voir leur pays émergent à l'horizon 2035. Et aucun pan du développement ne doit être laissé. Surtout pas la santé des citoyens, premiers bénéficiaires et acteurs principaux de cette émergence. Les évacuations sanitaires ces dernières années ont coûté des milliards à l'État camerounais. Pour pallier ce problème, l'État a décidé de bien faire les choses, en investissant efficacement et durablement dans la formation du personnel soignant et le plateau technique des hôpitaux publics. Que sont devenues ces promesses? Peut-on parler d'émergence sans hôpitaux de référence? Nous faisons un arrêt à l'hôpital à Quintigny, qui est l'un des hôpitaux les plus fréquentés avec des milliers de malades au compteur chaque année. Nous demandons à rencontrer le directeur, le professeur Noël Emmanuel Essomba, a la lourde responsabilité d'assurer et surtout de rassurer. Une multitude d'offres de soins qui se sont développées dans notre formation sanitaire et nous pensons qu'aujourd'hui, en 2023, nous pouvons dire que notre formation sanitaire est dans le respect de cette vision du président de la République de limiter les évacuations sanitaires. Nous avons mis l'accent sur pratiquement la quasi-totalité des spécialités que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, l'hôpital à Quintigny offre 42 spécialités en termes d'offres de soins. Nous avons 120 médecins spécialistes à l'hôpital à Quintigny et 80 médecins généralistes. Après cette rencontre avec le professeur, nous allons dans chaque service, du moins dans la plupart des services, pour voir, entendre et comprendre de façon pratique et concrète comment se passe la prise en charge des patients dans cet hôpital. Nous commençons par le service de pédiatrie, la maternité et la néonatologie où la vie commence. Le docteur Rapi Fossi, Mireille, nous reçoit. Elle est chef service néonatologie, elle est pédiatre. On va commencer par la salle d'accueil. C'est un service sur lequel il faut limiter les passages pour limiter également les infections. Donc vous avez un sas qui est là où il faut se laver les mains à temps. Donc à chaque fois quand on examine un enfant, avant de l'examiner, on se lave les mains, on se désinfecte les mains et même également après. Donc une fois que le bébé arrive, les prématurés, on les reçoit ici. Ce sont les différentes tables radiantes, c'est pour les réchauffer parce que l'hypothermie, c'est une pathologie qui tue le prématuré. Donc, on le réchauffe ici et en fonction de son état, de son âge gestationnel, plus il est petit, on le met, il a besoin de respirer et on le met sous ce respirateur qui permet d'insuffler de l'air et puis également, plus ou moins également de l'oxygène. Et ça va permettre à ce que ça puisse, qu'il puisse mieux respirer. Donc, et nous avons également des scopes pour pouvoir enregistrer leurs paramètres vitaux, à savoir la saturation, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, entre autres. Donc, une fois qu'ils ont été stabilisés, ben, ils passent en couveuse. Nous avons une capacité d'à peu près 17 couveuses. Le service de néonatologie, l'hôpital à Quintigny, a une capacité d'accueil de 40 lits. On a 20 nouveau-nés à terme malades et 20 prématurés qu'on peut recevoir. Les nouveau-nés à terme malades proviennent des autres hôpitaux et puis de l'hôpital, la maternité de l'hôpital à Quintigny ainsi que les prématurés. Nous avons 3 pédiatres, dont un vacataire qui est néphropédiatre. Et puis nous avons également des infirmières, des équipes de 4 infirmières, dont une capacité à peu près de 15 infirmières, de permanente, une major. Que ce soit le nouveau-né à terme ou bien le prématuré, tous les nouveau-nés malades, on les réchauffe.
Sur une table radiante, on en a à peu près 5. Donc on peut recevoir 5 enfants, donc 3 prématurés en même temps et puis 2 nouveau-nés à terme. Donc après les avoir réchauffés, les stabilisés, mais on les met en berceau pour les nouveau-nés à terme et puis dans la couveuse pour les nouveau-nés, pour les prématurés. La prématurité a des complications, notamment l'ictère. Donc nous avons cet appareil à photothérapie qui va permettre de diminuer le taux de bilirubine qui est dans le sang de l'enfant, qui cause cette ictère, cette coloration jaune de la peau. Donc, nous avons également, comme dans tous les autres services, les aspirateurs et puis les oxygènes aussi, vous avez vu que toutes les couveuses ici sont proches des sources à oxygène. Si un enfant en a besoin, mais tout de suite on le prend en charge. Un enfant qui vient avec une malformation, nous avons le service de chirurgie pédiatrique qui est là. Mais ce sont des enfants qui peuvent être également hospitalisés ici, suivis ici, même également en post-op. Donc vous avez remarqué que tous nos couveuses ici sont dotées de couvertures. C'est pour pouvoir couvrir la couveuse, pour limiter la lumière. Et puis également, il y a le bruit également qu'il faut limiter. Parce que les prématurés, pour leur développement, le développement du cerveau, il faut limiter cela. Donc c'est pour ça qu'ils ont également ce cocon que vous voyez. Ça permet de pouvoir simuler un peu l'utérus de la maman. Donc le bébé est à l'intérieur, il se sent en sécurité. La méthode mère kangourou, il s'agit en fait de mettre le bébé peau à peau sur sa maman de préférence ou sur son papa ou une autre personne de la famille qui est disponible, parce que c'est une méthode qui va permettre de réchauffer non seulement le bébé, de réguler sa température, de continuer à créer les liens qui ont été un peu interrompus précocement, créés avec la maman et puis également de favoriser sa croissance. Sa croissance comme s'il était encore en utero. C'est une méthode qu'on a rapportée en Colombie. Nous pratiquons également les soins de développement, c'est-à-dire que nous capacitons, nous intégrons la famille dans le processus de soins en les capacitant pour pouvoir alimenter le bébé et pouvoir continuer à la maison. Il y a également un psychologue aussi qui les accompagne pour celles qui ont du mal à pouvoir accueillir à pouvoir gérer leur bébé. Donc au départ, il y a un psychologue qui est là. Et comme les grands prématurés ont souvent des problèmes de retard, de psychomoteurs, de croissance et tout, on les suit en ambulatoire et on a un kiné qui gère. Concernant la maternité, l'hôpital a à ce jour 6 salles d'accouchement individuelles. Et chaque femme qui vient donner naissance ici doit être impérativement accompagnée d'un membre de sa famille. Une vraie innovation. Nous allons vous présenter une de nos chambres de naissance. Là, vous avez la table d'accouchement. Le cardiotopographe pour surveiller le bruit du cœur du bébé pendant le travail. Et la dame en cravate peut être assistée. Son accompagnateur s'assoit ici. Nous avons le ballon. Ce ballon permet à la femme en cravate d'adoucir les douleurs des contractions. Nous allons essayer de l'accompagner avec des mots doux pour supporter la douleur du travail d'accouchement. Après l'accouchement, nous allons vous orienter dans la salle des bébés. Nous accueillons les bébés. Ici, nous avons la salle de réanimation de nouveau-né. La salle dans laquelle nous accueillons les bébés après l'accouchement. On les nettoie sous la radiante qui est préchauffé d'avance. Après nettoyage, nous avons le pèse bébé, nous le pesons et nous le ramenons ici pour les mensurations dans le périmètre crânien, brachial, thoracique et la taille du bébé. Après nous l'habillons, après l'habillage, nous l'identifions, on le laisse là pour le réchauffer. Ici nous avons la salle de réanimation de nos mamans que nous recevons pré-éclampsie ou éclampsie.
c'est-à-dire convulsion après l'accouchement ou pendant la grossesse. Donc nous avons une salle de réanimation juste à côté de la salle d'accouchement pour les accueillir. Et nous avons le réanimateur à côté. Ici, nous sommes au niveau des blocs. Nous avons ce bloc, c'est le bloc des urgences. Nous avons un deuxième bloc qui est le bloc des programmes. Hein, ça peut être une hémectomie, hystérectomie qu'on a programmée. Donc nous avons deux différents blocs ici. Le premier bloc, celui des urgences, où on prend toutes les urgences possibles. Ici, c'est le bloc des urgences, ça peut être des urgences gynécologiques, ça peut être des urgences obstétricales, qui dit urgence obstétricale, parle des césariennes et autres. Hein, pour nous envoyer des femmes, des grossesses extra-utérines, c'est des urgences gynécologiques. Donc, il peut arriver qu'on nous envoie aussi des césariennes. Ça fait partie des urgences obstétricales. Ce bloc-là est là pour prendre en charge rien que les urgences. On l'appelle le bloc propre. Ici, à la maternité, nous pouvons prendre en charge plusieurs personnes à la fois. Ici, vous êtes dans une maternité qui est très, très exigeante, où la qualité de soins, n'est-ce pas, est vraiment prioritaire. Prioritaire. Et c'est pour cela que vous verrez que pour l'année 2022, nous avons eu un meilleur personnel qui est moi-même qui suis devant vous au nom de Constance Dienet-Julie, épouse d'Ibondi. C'est pour, n'est-ce pas, bonifier tout ce que nous faisons de bien ici à la maternité. Notre département de gynéco-obstétrique est également a pris de l'ampleur. D'ailleurs, à en juger par les statistiques, aujourd'hui, des femmes qui nous rendent visite, vous comprenez que l'offre de soins est d'ailleurs de qualité et le plateau technique également s'est amélioré. Et quand vous y allez, l'infrastructure a bonne mine. Ce que certains de nos compatriotes allaient rechercher en Occident ou dans des cliniques privées, vous pouvez vous l'avez maintenant à l'hôpital La Quintinie, avec une structure qui est agréable, des chambres qui sont climatisées. Je parle de du département de gynécologie obstétrique, mais également sur l'ensemble des autres services de l'hôpital. L'endocrinologie pédiatrique est une réalité dans notre formation sanitaire. Vous savez, c'est un domaine qui n'était pas très partagé. Et aujourd'hui, les enfants peuvent trouver des soins, les enfants diabétiques peuvent trouver des soins qui leur sont particuliers. Et je crois que c'est également quelque chose à mettre à l'actif de notre formation sanitaire. Que se passe-t-il dans cet hôpital lorsqu'on arrive inanimé en cas d'urgence? Le docteur Doyendo Emmanuel, médecin anesthésiste et réanimateur, nous présente les atouts de cet hôpital. Ici, nous nous trouvons à la réanimation adulte. Nous prenons en charge les malades qui présentent des détresses. Ils peuvent être des détresses neurologiques, des détresses hémodynamiques, c'est-à-dire cardiaques, et ainsi que des détresses respiratoires. Voilà. Les patients dans le coma, les patients qui ont de la peine à respirer, qui ont besoin d'oxygène parfois, ou de grandes quantités, qui ont parfois besoin de machines ou d'une surveillance très accrue à cause de leur maladie. En réanimation, nous avons 19 lits, avec 18 lits de chambre commune et une salle individuelle. En réanimation, toutes les spécialités s'expriment. La réanimation, en fait, c'est comme un carrefour de toutes les spécialités de médecine et même parfois de chirurgie. Voilà. Donc, en fait, on prend tout. Toute personne qui est en détresse, quelle que soit sa pathologie, quand il est un adulte, il peut être suivi en réanimation. Bien sûr, toujours en collaboration avec les spécialistes concernés directement par la pathologie. On garde 24 sur 24 pour assurer les soins aux malades. L'hôpital, dans la volonté gouvernementale, fait beaucoup d'aménagements pour pallier les manques dont il faisait face. La centrale à oxygène, le centre d'hémodialyse, très attendu par tous les Camerounais et même les étrangers. Le centre d'hémodialyse de l'hôpital à Quintigny est achevé. Nous avons aussi les pneus réactifs et les machines, hein, qui sont les machines ouvertes. La formation d'ailleurs de tous ceux qui sont actifs dans ce centre est en cours. Nous avons envoyé ses collaborateurs à l'hôpital général de Douala, qui a déjà un centre d'hémodialyse.
où ils y sont depuis plus de 3 semaines pour pouvoir se faire la main. Nous aurons 22 machines. Vous comprenez que ce sera un des centres d'hémodialyse le plus important de notre pays et on pourra donc ainsi apporter un soulagement. Nous trouvons M. Sopoyoki Bertrand en pleine production d'oxygène pour les besoins de l'hôpital et même les hôpitaux environnants. Ici, c'est divisé en deux services, un service qui produit et un service qui fait la distribution. On commence la production à partir de 16h. Et de 16h à 23h, il y a un service qui prend le premier service de cas. Et de 23h à 6h, le deuxième service de cas pour la production. En moyenne, nous sommes dans 40 bouteilles de 50 litres. Et une bouteille à 7,5 mètres cubes de volume. Donc si on fait 40 fois 7,5 mètres cubes, ça fait pratiquement dans 75 fois 4, ça fait pratiquement 300 mètres cubes qu'on produit la journée. Les services demandeurs, nous avons les urgences, nous avons la pédiatrie, nous avons l'isolation qui est vraiment le consommateur d'oxygène et nous avons le service annexe qui est de l'autre côté. Dans quel environnement et comment sont réalisés les examens médicaux auxquels les patients sont soumis dans cet hôpital? Monsieur Mougui Essiben David est coordonnateur du département de biologie de l'hôpital. Ici nous sommes dans l'une de nos paillasses techniques. Dans une salle technique où nous avons principalement deux paillasses. La paillasse de sérologie et la paillasse d'hématologie. Bon, ici en sérologie, comme je le disais, c'est là où nous faisons les examens de sérologie. Communément, dans le jargon des Camerounais, c'est ici qu'on cherche à voir si un patient souffre d'un chlamydia, s'il a une syphilis, s'il a une fièvre typhoïde. Donc, c'est la sérologie, c'est ici qu'on le fait. Et de l'autre côté, sur l'autre paillasse, ici nous faisons l'hématologie. Donc, communément quoi, c'est la numération, c'est les bilans préopératoires, c'est les électrophorèses des hémoglobines, électrophorèses des protéines, la détermination du groupe sanguin d'un individu. Le cas précis, par exemple, de la numération, nous le réalisons sur ces deux équipements-là, qui sont les équipements de dernière génération. Pour les bilans préopératoires, communément appelés TPTCK, sont réalisés là. Pour les patients qui doivent aller au bloc opératoire, on doit savoir s'ils coagulent bien avant d'aller d'entrer avec eux au bloc opératoire. Et de l'autre côté, nous faisons les groupages sanguins. Spécificité du plateau technique 1, d'abord, c'est que nous utilisons des paillasses qui sont entièrement automatisées. Comme vous pouvez le voir là, pour les numérations, les paillasses sont automatiques. Donc, nous utilisons les équipements de dernière génération qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans les examens et également avoir des résultats, le délai de rendu des résultats qui est très raccourci. Parce que quand on a des groupes qui sont automatisés, ça va vite, ça utilise moins de volume d'échantillons et on a les résultats à un délai raisonnablement très lent pour une bonne prise en charge. Merci. Une prise en charge rapide du patient. Nous veillons au quotidien à la qualité des prestations que le laboratoire délivre. Au quotidien, nous assurons que les analyses sont effectuées dans le strict respect des normes ISO. Ici, vous êtes dans le laboratoire d'anatomie et cytologie pathologique de l'hôpital à Quintine de Douala. Donc, ce que nous faisons, c'est des analyses histologiques et cytologiques. Donc, on a deux principales paillasses. Pour commencer, il y a la paillasse d'histologie avec des échantillons derrière vous. Là. Donc, après réception des échantillons, on a la macroscopie. Une fois la macro faite, les prélèvements sont déshydratés sur les paillasses là. Ensuite, ils sont éclaircis dans le xylène. Après, imprégnés de paraffine dans notre bain-marie, puis enrobés pour aboutir à la formation des blocs comme ceux-ci, qui seront coupés plus tard et étalés sur des lames porte-objets comme ça, pour aboutir à la fin des lames qu'on va colorer en utilisant les différentes bagues de coloration et puis observer au microscope
Donc la cytologie, c'est presque similaire. Le laboratoire est spécialisé dans la détection principalement des pathologies comme le cancer. Tous les types de cancers en général. Et puis pour la cytologie, c'est généralement le dépistage. Donc on a le frottis cervical, les prélèvements se font en haut. Et puis une fois les prélèvements faits, les lampes parviennent ici. Et puis après la coloration, on obtient des lames comme ça qui seront observées au microscope. Et puis les diagnostics seront posés à la fin. Ici, c'est notre poste de réception des échantillons. Et puis comme c'est marqué, c'est ici aussi que va se réaliser la macroscopie. Donc les échantillons qui sont reçus seront décrits par le médecin, l'anatomopathologiste. Et pendant cette description-là, il va faire des prélèvements qu'il va introduire dans des cassettes. Les cassettes, ce sont ces petits ustensiles-ci. Et c'est à partir de ces ustensiles qu'on peut identifier le prélèvement et puis le suivre pendant toute la technique. Voilà. Donc après la macroscopie, les cassettes qui sont produites sont déshydratées. Donc cette fois, on a besoin de les passer dans ces bacs d'alcool-là. Donc ici, on fait une déshydratation manuelle. Donc les cassettes sont passées de l'alcool 1 à l'alcool 2, ainsi de suite. Comme vous voyez, il y a certains qui sont en pleine déshydratation. Après la déshydratation, on va éclaircir les cassettes. Les tissus, pardon, en les passant dans des bacs de xylène. Et une fois l'éclaircissement terminé, la suite de la technique, c'est ici, avec l'imprégnation en paraffine. Donc, on a notre bain-marie qui permet de faire fondre la paraffine. Et une fois que la paraffine a fondu, les cassettes sont introduites dans l'intérieur pour l'imprégnation. L'imprégnation réalisée, la prochaine étape, c'est l'enrobage. On le fait en utilisant notre plaque et nos moules. Donc la paraffine liquide est coulée dans les moules et puis l'échantillon est posé à l'intérieur et la cassette reposée sur l'ensemble comme ça. Et une fois que le tout a refroidi, on démoule et on obtient donc ce bloc-ci. Le bloc est utilisé pour la coupe au microtome. Donc le bloc est inséré sur le microtome et le technicien réalise la coupe en maniant les volants. Donc quand le volant est manipulé comme ceci, le bloc monte et redescend. Et il y a une lame qui est placée à ce niveau et qui attend le bloc, ce qui permet de réaliser les différentes coupes. Une fois les coupes réalisées, elles sont étalées sur les lames. Et puis on colore ces lames. Donc, le résultat, après la technique histologique, c'est une lame comme ça, qui est transmise au médecin, à l'anatomopathologiste pour lecture, microscope et interprétation. À l'heure où l'on parle de chirurgie à ventre fermé, quel langage parle l'hôpital La Quintini dans ce domaine? Améliorer notre offre de soins, notamment en chirurgie, avec la chirurgie, la celluloscopie, la chirurgie laparoscopique, qui prend de l'ampleur dans nos formations sanitaires, les chirurgies à ventre fermé. L'hôpital La Quintini, on vous opère aujourd'hui, demain matin vous êtes rentré chez vous. J'avoue que nous communiquons peut-être moins et je voudrais saluer votre initiative d'être venu nous rendre visite. Ça permettra aux Camerounais de comprendre que dans nos formations sanitaires, il est possible aujourd'hui de le faire. Nous avons 12 blocs opératoires qui sont fonctionnels, qui peuvent être fonctionnels au même moment. Ça veut dire que nous pouvons prendre 12 patients au même moment. Nos blocs opératoires sont constitués d'un plateau technique de dernière génération. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut avoir dans un bloc opératoire en Occident, nous faisons de la chirurgie thoracique aujourd'hui dans notre formation sanitaire. Vous savez, ce n'est pas, c'était pas le cas hier. Nous faisons de la chirurgie vasculaire dans notre formation sanitaire. Vous comprenez que l'offre de soins s'est vraiment densifiée dans notre formation sanitaire. Je voudrais également faire allusion à l'oncologie, où nous avons amélioré notre offre de soins en termes de qualité, en termes de quantité, avec d'ailleurs des ressources humaines qui se sont multipliées dans notre formation sanitaire. Quand nous arrivions, nous n'avions même pas d'oncologue. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de savoir que l'hôpital La Quintini a 3 oncologues. Et vous comprenez que la prise en charge des cancers est devenue une réalité dans notre formation sanitaire. Et pour les patients les plus exigeants, un peu snob sur les bords des fois, La Quintini peut-il les satisfaire? Et comment?
c'est un espace où les patients peuvent faire leur bilan complémentaire, leur bilan paraclinique, c'est-à-dire tout ce qui est examen biologique, échographie, tout genre d'échographie. Et c'est un service où également, après sa consultation, après sa prescription, il peut avoir son médicament. Donc, vous y allez dans un espace bien confortable. Vous êtes pris en charge par le spécialiste que vous souhaitez. Vous avez vos examens, vos prescriptions, vous avez votre médicament. Et vous repartez chez vous sans être sorti, n'est-ce pas, de cet espace-là. Donc, vous comprenez que l'hôpital à Quintigny aujourd'hui n'est plus cette formation sanitaire qui ne pouvait prendre en charge que des patients indigènes, que des patients indigents, que des patients pauvres. Aujourd'hui, tous les Camerounais viennent dans notre formation sanitaire et ont certainement, puisqu'ils reviennent tous les jours, des soins qu'ils souhaitent avoir. Nous prenons l'avis des usagers et quelques observateurs avertis qui fréquentent cet hôpital. Il suffit d'aller faire un tour à la Quintigny pour se rendre compte que ce n'est plus l'hôpital des indigènes ni le mouroir dont on a beaucoup parlé. Moi qui me soigne là-bas, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de spécialité qui ne soit pas soignée à la Quintigny. Mais c'est un problème de décomplexer les patients. Je crois que nos médecins et spécialistes font les mêmes écoles que ceux qui sont à l'étranger. Maintenant que le plateau technique suit la spécialisation et la compétence des médecins, je crois qu'il n'est plus indispensable ni nécessaire d'aller à l'étranger pour tout ce qui concerne les pathologies un peu complexes, le cœur, le cerveau, etc. On fait pratiquement tout à la Quintigny. Il suffit d'aller dans le service de réanimation. Si on ferme les yeux, on peut se demander si on est au Cameroun. Le seul problème qui peut se poser à la Quintigny, c'est la prise en charge financière des patients. Vous voyez, le plateau technique nécessite des appareils qui coûtent cher. Pour le moment, on n'a pas une assurance maladie universelle. Donc forcément, ça pose le problème de la prise en charge financière des patients. Hervé Emmanuel Combe, banquier et homme politique, est le prochain avis que nous prenons sur cet hôpital, puisqu'il y est né et le fréquente à ce jour. L'hôpital continue une évolution qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les services, on peut vraiment dire que nous sommes en face de l'une des plus belles, non, sinon la plus belle formation sanitaire. D'abord parce qu'elle a un avantage géographique, c'est le seul hôpital de sa dimension, même si elle est catégorie B, qui se trouve au centre de la ville, c'est-à-dire à Douala, premier à quoi. Deuxièmement, l'équipe managériale a fait une mutation incroyable, de sorte que vous avez d'autres zones publiques. Moi, je n'ai pas encore été hospitalisé, mais j'y vais souvent. Mais vous pouvez poser la question à des hommes comme Elimbi Lobert, Anissa Ekane, qui ont reçu des soins qu'ailleurs auraient impérativement imposé une évacuation. Donc oui, la progression actuelle de l'hôpital à Quintigny fait de l'hôpital à Quintigny un plateau technique qui, sur le plan strictement médical, n'est-ce pas, permet d'espérer que nous n'avons plus besoin de nous rendre en Tunisie, à l'Europe, pour nous soigner d'eux. Vous savez que c'est un enjeu financier et économique. Soigner les gens sur place, on gagne du temps, on dépense moins d'argent et on a l'assurance qu'ils sont chez eux. Et la dernière chose, c'est que l'obstacle à cette évolution ultime, même si l'hôpital à Quintigny tient la dragée aux autres formations que je ne cite pas qui sont dans Douala, il faut que l'hôpital à Quintigny retrouve la classification A pour qu'elle ne soit plus vue comme l'hôpital indigène dans lequel je suis né, qui aujourd'hui est largement dans plusieurs compartiments supérieurs aux autres. Donc j'ai des témoignages qui font foi sur le fait que pour faire un pacemaker, mettre en place un pacemaker, ça s'est fait à l'hôpital Quintigny avec succès. Pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ça s'est fait. L'hospitalisation est d'une très bonne qualité. Vous savez que dans l'hôpital, il y a les soins, mais aussi l'hôtellerie et puis l'ambiance générale. Bon, l'hôpital Quintigny n'est plus un endroit où on va pour mourir. Hein. Et puis d'ailleurs, la symbolique la plus visible, c'est qu'on ne vend plus les cercueils à l'entrée de l'hôpital. Donc, c'est une très belle formation sanitaire qui a besoin de soutien, et nous y participons, moi parce que c'est mon village, et deux parce que
c'est tout bénéfique pour l'ensemble du Cameroun et de la sous-région. Du fond de mon cœur, je crois que l'hôpital La Quintini en a fait pour beaucoup dans cette amélioration de l'espérance de vie, parce que c'est un hôpital qui a connu des évolutions sensibles pour le rendre capable de prendre en charge les préoccupations gouvernementales, c'est-à-dire être capable de soigner les gens ici pour des maladies que hier on ne pouvait pas soigner ici. Et ces derniers temps, avec l'arrivée de la nouvelle équipe, tout le monde voit l'hôpital La Quintini se mettre à la hauteur des enjeux pour le pays tout entier, au-delà des aspirations politiques du chef de l'État. Mais il me semble que la direction actuelle de l'hôpital a estimé qu'il fallait que l'hôpital soit au niveau. Et pour cela, des efforts considérables ont été faits. Des efforts énormes ont été faits sur le plan de la capacité technique à prendre en charge de nombreuses maladies, mais des efforts considérables ont été faits sur le plan des hommes, le comportement des soignants. Il n'y a pas très longtemps, l'hôpital La Quintini a été dramatiquement à la une d'une actualité qui nous a laissé tous très mal à l'aise avec le décès d'une femme enceinte qu'on a dû opérer dans des conditions bizarres par quelqu'un qui n'était pas un médecin, un infirmier, mais en milieu hospitalier. Cela témoigne de la dégradation des états d'esprit à l'intérieur de l'hôpital La Quintini. Mais ça, c'est un passé aujourd'hui. Quand vous allez à La Quintini, et Dieu seul sait que je viens d'être hospitalisé deux fois de suite à l'hôpital La Quintini, j'ai pu apprécier la capacité de cet hôpital à prendre en charge sur le plan humain, sur le plan de la communication, les malades, ce qui est une grande partie des soins à délivrer. Et aujourd'hui, nous avons des équipements avec des capacités techniques importantes, ce qui améliore la capacité d'investigation des médecins. L'hôpital La Quintini qui fait beaucoup d'efforts, qui a bénéficié de beaucoup d'investissements. Maintenant, il y a un problème, c'est que vous ne pouvez pas juste avec l'équipement changer la réputation d'une maison. Et je crois qu'à ce sujet, je suis aux côtés de cet hôpital-là pour les aider à avoir une meilleure réputation parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Et j'ai même suggéré à un moment donné de peut-être changer le nom de cet hôpital qui porte un nom malheureusement de l'époque coloniale et de donner un nom camerounais. J'avais proposé le docteur Bébé Idi par exemple, pourquoi pas. Mais je pense aussi qu'il faudrait beaucoup plus d'activités de portes ouvertes et de communication comme ce que vous êtes en train de faire pour que les gens soient au courant de tous ces progrès, que les gens soient au courant que ce n'est plus un mouroir, c'est un hôpital qui est respecté et qui est équipé, qui est parmi les meilleurs. Il est d'ailleurs le plus grand en Afrique centrale et qui est parmi les meilleurs aujourd'hui, non seulement au Cameroun, mais les gens qui viennent de l'étranger pour y aller. Donc il y a tous ces progrès-là que, en tant que député de cette circonscription, je les connais. Maintenant, j'invite les populations aussi à les connaître. Et vous savez, il y a malheureusement, quand vous avez une mauvaise réputation pendant si longtemps, ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle va changer. Mais nous y travaillons et c'est un appel que je fais après le vôtre, que nos hôpitaux ne peuvent qu'être performants si on leur fait confiance. En tout cas, on travaille de notre côté à l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'on n'évacue plus nos malades. Et on pense que la solution, c'est d'équiper nos hôpitaux. Quand ceux qui décident seront obligés d'aller à l'hôpital au Cameroun, ils feront tout, et je pense que c'est le début, ils feront tout pour que nos hôpitaux soient au même niveau que les hôpitaux qu'ils fréquentent où ils vont. Prenons un autre avis, et non des moindres, celui d'un éminent professeur, le professeur Bayebek, chirurgien orthopédiste. Je dois dire que j'ai eu l'occasion de visiter les installations techniques de cet hôpital très récemment et j'étais plutôt très impressionné. Il faut être très objectif
j'ai vu un plateau technique élevé. C'est le minimum qu'on puisse dire. J'ai vu une deux IRM, j'ai vu les scanners, j'ai vu une pharmacie comme je n'en ai jamais vu ailleurs. Sauf en ville, c'est en privé qu'on voit de telles pharmacies. J'ai vu une hématologie qui avait quelques dizaines de couveuses, quelques, peut-être au moins une 15 lits chauffants, où on m'a habillé comme si j'entrais au bloc opératoire. Donc j'ai vu une belle organisation. Et j'ai demandé par derrière au personnel, l'hôpital vous garde bien, ils sont contents. Donc j'ai vu un personnel bien motivé, j'ai vu des équipements, j'ai le sentiment d'une très bonne gestion. Je crois que ça pourrait être un modèle de départ. Je crois qu'il faut dire à toutes les parties importantes de suivre la voie tracée par les Douala eux-mêmes. Les Douala ont dit pour cela, on prend ce directeur, on le met dans le Ngondo. C'est une reconnaissance. Je pense que l'État doit le soutenir pour qu'il divulgue, on va dire vulgariser. Il faut vulgariser ça. Bon, c'est vrai qu'ils ont quelque chose de particulier. Le directeur, il m'a dit, je lui ai demandé d'où il prenait le secret. Il m'a dit le secret. Il a un billet, un master en business. Vous savez, c'est le diplôme avec lequel les grandes entreprises recrutent leurs directeurs. En plus des diplômes de la médecine, il a fait quelque chose de particulier. Je ne suis pas sûr que l'État va aller demander à tous les médecins de faire le MBA. Je ne suis pas sûr qu'ils en auront ni le temps, ni la volonté, ni la capacité. Mais l'État peut ajouter les MBA pour venir soutenir les médecins. C'est ça que les Occidentaux font. En considérant le professeur Essomba comme un type particulier qui a doublé les gens depuis. On ne peut pas suivre son modèle. Lui, il a fait depuis. Hein, c'est que ce qu'on a fait, je crois, avec 35-40 ans. Quand on a fini les longs diplômes de médecine, on peut prendre 5 ans pour faire en même temps le MBA. Et donc, on peut avoir des équipes de bonne gestion. On peut avoir des hôpitaux équipés comme la cantine. Il n'y a pas de raison que la cantine ait l'IRM, que l'hôpital central n'en est pas. Je lui ai demandé ce qu'il me dit, j'ai négocié avec les banques pour avoir la ligne. Après, je suis allé négocier le leasing avec l'usine en Chine. Et ça, c'est le comportement d'un gestionnaire. C'est-à-dire que les médecins apprennent à être un peu plus gestionnaires et prennent un peu plus de temps pour la gestion, qui est un pilier important. C'est pour ça que la population est contente à Douala. Moi, je travaille dans un système catholique. J'ai demandé à la directrice de faire visiter cet hôpital à Kenden, dans l'état actuel, par tous nos directeurs, parce que nous avons 10 formations, que les autres aillent voir. On peut téléphoner au prof, il les reçoit, il les fait visiter. Qu'ils aillent voir ce qu'il fait, qu'ils aient un océan de travail, il va leur dire comment ils négocient, et avec les banques, et avec les industries, pour équiper. Et comme ça, on aura résolu au moins le problème des équipements. Il faut que les gens aient voir ce qu'ils sont fait, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit... Mais moi, ce n'est pas mon ami. Je crois qu'il est 6 générations au-dessous de moi. On ne pouvait pas être amis. Mais j'ai apprécié ce qu'il a fait. Objectivement, on me prouve le contraire. Poursuivons notre visite au sein de l'hôpital. L'un des services les plus demandés et les plus courus est celui des dentistes. De quelle manière l'hôpital à Quintigny prend-il soin de nos dents? Ici, nous sommes au service de dentostomatologie. Nous nous occupons des maladies de la cavité buccale et des pathologies dentaires. La plus connue est la carie dentaire. Nous sommes ici devant le principal matériel du dentiste, qui est le fauteuil dentaire. Et nous avons là un patient qui est venu pour des soins dentaires. Pour réaliser les soins du patient, comme tout le monde sait, on dit tu manques comme un dentiste, ça veut dire nous avons besoin d'anesthésie, qui toutes les piqûres ne font pas mal. Nous avons avec nous une seringue dentaire et des turbines pour pouvoir tailler les dents. C'est le léger bruit que vous entendez la plupart du temps pendant qu'on vous soigne les dents. Tout ça, c'est les compartiments du fauteuil dentaire. Nous avons là un cyanitique qui permet à éclairer la zone de travail. Une lampe photopolymérisante pour être plus explicite, pour durcir le matériel d'obturation, ce qu'on appelle communément le plomb. Et un bloc d'aspiration, des seringues à air et des seringues à eau.
C'est un fauteuil bien complet. Nous avons la chance de l'avoir à l'hôpital à Quintine. Nous pouvons recevoir 100 à 150 malades par mois. Qu'en est-il du service ophtalmologique? Bienvenue au service d'ophtalmologie. Ici, vous êtes dans la salle d'examen. Les deux appareils que vous voyez, le premier appareil, ça nous permet de prendre la tonométrie du patient et la pachymétrie de nos patients. Le deuxième appareil, c'est le refractomètre. Ça nous permet de prendre la refraction objective du patient avant de faire sa refraction subjective par des verres à essai. Bonjour madame. Bonjour. Mettez le menton. Et ici, nous sommes au bloc opératoire ophtalmologie. Il y a quelques années, on n'avait pas d'appareil, pas de microscope opératoire pour vraiment permettre à nos ophtalmos de faire des chirurgies telles que la cataracte. Nous croisons des expatriés de passage à la Quintinie pour des soins. Ils se confient à nous. Je suis Cécilia, je suis de passage au Cameroun, là, depuis quelques jours, et je viens de faire un arrêt à l'hôpital de la Quintinine. Et du coup, je suis agréablement surprise, scotchée même, de cette visite. Moi-même, je suis dans mon parcours professionnel, j'ai eu à travailler pendant de nombreuses années dans un hôpital à Paris. Et donc, j'ai pu voir qu'il y avait énormément de spécialités ici sur place, un plateau technique assez conséquent. Donc, je suis assez agréablement surprise de ce que j'ai pu constater. Et pour ce qui est du cadre, je trouve que c'est un cadre très apaisant, très propre, très très propre, avec des couleurs aussi très très apaisantes. Vraiment un cadre très apaisant, je pense que pour la convalescence et la prise en charge des patients, ça doit être vraiment l'idéal. C'est la première fois que je viens à la Quintinie et je suis agréablement surprise du cadre. Je ne m'attendais pas du tout à voir un cadre aussi beau, tant en termes de verdure que de couleurs. Et voilà, selon moi, c'est un cadre qui est vraiment idéal pour la convalescence et la tranquillité des patients. Vraiment un grand bravo pour tous ceux qui ont œuvré pour ce beau cadre. Cette pharmacie complètement au goût du jour ne peut pas échapper à notre visite. Ici à la pharmacie, nous avons plusieurs gammes de produits. Nous avons majoritairement, ce sont les produits à usage hospitalier. Vous allez trouver des solutés, des antimitotiques. Les implants sont disponibles dans cette pharmacie, ce qui facilite la prise en charge des patients qui viennent particulièrement pour la chromatologie. Le patient vient avec un bon verre qui a été mis par le médecin. On pourra dispenser tous les médicaments sans condition. Vraiment, on lui donne ses médicaments, il va dans le service, on administre les soins et puis pourra régler ses factures au fur et à mesure et en fonction de ses moyens. Sur 10 patients, je pourrais dire 8 patients viennent sous forme de bon verre. À l'hôpital La Quintinie, aucune pathologie n'est oubliée ni négligée, surtout pas les maladies mentales qui bénéficient d'un cadre spécial. L'hôpital La Quintinie est l'une des deux formations sanitaires à avoir en son sein un service de santé mentale. Et ce service couvre les régions du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral, de l'ouest. Tous ces patients qui souffrent de ces affections sont orientés vers l'hôpital La Quintinie. Nous avons un problème d'espace aujourd'hui parce que quand vous allez dans ce service qui a été refait avec l'accompagnement du ministère de la Santé publique, parce que vous savez, on avait toujours tendance à penser que ces malades-là devaient forcément être reçus dans des espaces désagréables. Aujourd'hui, quand vous allez dans cet espace, c'est un espace gai qui a été refait. Que deviennent les malades qui passent l'arme à gauche? Nous faisons un tour à la morgue de l'hôpital. Et visiblement, ici, même les morts reçoivent beaucoup de respect et peuvent donc définitivement reposer en paix. L'hôpital La Quintinie a d'autres ambitions, car le gouvernement est conscient qu'il peut mieux faire, même si les hôpitaux publics lui coûtent énormément cher, car c'est également et surtout un service social que l'État pratique ici. Il doit soigner tous les Camerounais sans distinction. Connaissons des problèmes. Plus de 40% de nos patients
ont des difficultés de pouvoir payer, n'est-ce pas, les soins. Et bien évidemment, c'est un frein important pour la promotion, l'exclusion de notre formation sanitaire. Parce que c'est des coûts qui sont obligés d'être supportés par notre formation sanitaire. Donc, c'est des difficultés que nous profitons pour relever ici. Et nous souhaitons d'ailleurs, nous l'avons toujours souhaité, l'appui, l'accompagnement des pouvoirs publics pour que ces indigents puissent être pris en charge. Et des problèmes de prise en charge, par exemple, des personnes détenues, qui constituent un gros problème pour nous, parce qu'ils viennent, ils sont soignés, et généralement en urgence, et à un moment, ne veulent plus repartir. Et exprès, ne payent pas leurs soins pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible à l'hôpital. Bien évidemment, les espaces sont climatisés, les espaces sont plus gais. C'est un problème pour notre formation sanitaire. Et merci de nous donner l'opportunité d'en parler ici. Et j'espère que ce sera une occasion pour les pouvoirs publics de nous apporter leur aide, leur accompagnement par rapport à la prise en charge de toutes ces personnes-là. Nous avons des partenaires indiens qui attendent la visite d'une équipe de l'hôpital Akintini. Cette équipe sera certainement accompagnée par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Parce qu'à l'hôpital Akintini, nous prévoyons faire des greffes de reins et des transplantations de moelle pour les traitements de la drépanocytose. Et donc, ils sont venus faire un peu un bilan de l'existant au niveau de l'hôpital Akintini. Nous pensons que dès le retour de ce voyage de l'Inde, les Camerounais pourront donc bénéficier des greffes parce que le matériel adéquat a été commandé déjà pour pouvoir réaliser ces greffes et ces transplantations. Les Camerounais pourront donc bénéficier, n'est-ce pas, de ces soins de qualité dans notre pays sans prétendre à aller à l'extérieur pour aller chercher ces soins-là. Grâce aux efforts du gouvernement de la République et à travers le budget d'investissement public, nous sommes en train d'installer une salle de cathétérisme cardiaque à l'hôpital Akintini. Vous savez que les problèmes de cœur étaient généralement ceux pour lesquels on évacuait le maximum des Camerounais. À partir du mois d'avril, les évacuations pour ce type, n'est-ce pas, de pathologie ne seront plus possibles. Ou alors tout au moins, on notera une diminution importante des évacuations sanitaires liées aux pathologies cardiaques parce qu'à l'hôpital Akintini, on sera capable de réaliser des opérations à corps ouvert, de réaliser tout ce qui est pontage et autres, grâce, n'est-ce pas, à ce budget d'investissement public. Après cette visite, on constate qu'on n'est pas forcément à l'abri de la mort, car elle fait partie de notre quotidien. Mais on peut surtout être certain que l'État a mis les gros moyens en dotant cet hôpital d'un plateau technique moderne et en améliorant considérablement les conditions de travail du personnel pour une meilleure prise en charge des patients. Lorsque nous avons fait attention aux statistiques des praticiens psychologues, on s'est rendu compte que plus de 10% des patients qu'ils ont reçus étaient personnels de l'hôpital Akintini. Donc, il fallait faire quelque chose par rapport à ça. Nous avons donc ouvert un complexe sportif qui a une panoplie d'activités et ça permet donc au personnel au quotidien de pouvoir déstresser. Le personnel répond positivement. La charge de travail des équipes qui sont censées accueillir et gérer ces besoins, notamment les situations d'urgence, est telle que l'énergie à déployer en tant que professionnel ou tout praticien intervenant ici à l'hôpital Akintini a pour effet direct l'épuisement, le stress, et ça peut être source d'erreurs au travail, ça peut être source de maladies. Et du coup, la disponibilité de ce personnel, il faut la préserver dans l'intérêt majeur des patients qui nous sont confiés ou qui nous sollicitent. Et l'épuisement en question va être pris en compte dans la politique managériale. Et le stress au travail, l'épuisement, le burn-out et toutes les pathologies professionnelles doivent être adressées de manière préventive. On n'a pas besoin d'attendre
que le soldat de la santé soit tombé pour courir dans l'urgence alors qu'on sait à quoi celui-ci est exposé. Donc c'est une perspective de prévention et de promotion du bien-être, de la satisfaction et de la santé au travail. Et à ce titre, on connaît les vertus de l'exercice physique. On connaît les vertus, n'est-ce pas, du divertissement, du loisir. Et à l'intérieur de l'hôpital, l'espace et la vision ont permis qu'on mette en place un dispositif comme celui-ci, qui est un complexe sportif avec plusieurs disciplines qui sont disponibles. Et les horaires d'ouverture sont compatibles avec la présence au travail et un espace de loisir pour se détendre et recharger les batteries. L'État répond donc ainsi non seulement aux objectifs de développement durable, mais offre plus que jamais un hôpital de référence. La Quintini est finalement et définitivement une vraie fierté pour tous.